Bonjour, bonjour à tout le monde. Ange Prisca Dienzo. Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Appelez-moi la solution, désormais. Et puis, j'ai un autre nom, hein. La vérité. Si, si. Vous pouvez m'appeler le défibrillateur, la solution, la vérité. Tout ça, ça me va. Je suis créatrice de contenu. Je suis sur la toile, Facebook, YouTube. Peut-être TikTok bientôt. Un peu. Je veux aider en fait ma communauté à changer son mindset, son système de pensée. YouTube, là, ils ont problème avec moi. Hein. J'ai fait mes vidéos, je mets sur YouTube. À chaque fois, ils vont supprimer une vidéo. Qu'au contenu inapproprié. Ils vont supprimer telle vidéo. Qu'au contenu inapproprié. Le combat est rude, hein, les amis. Mais bon, vous avez pris vos tabourets. Sur mes posts, on prend son tabouret. Si tu es allergique à la vérité, si tu es allergique au changement, si tu as un problème avec la vérité, franchement, tu es à la mauvaise adresse. Il faut aller sur vos autres conneries là, où on casse les papos là. Il faut partir là-bas. Vous aimez ça où? Hein? Bon. Alors, je défraie en ce moment beaucoup de chroniques. Hein? Je suis un peu taguée, taxée, un peu de partout. Femme frustrée. On me traite de femme frustrée parce que j'estime que les mariages entre nous, Africains, ça fait pitié. Voilà. Je dénonce ça. Donc, on trouve que c'est parce que je suis frustrée. Et que c'est parce que je suis pas bien. Je suis célibataire. Que j'attaque le mariage. On dit, il y a une qui a écrit sous mes posts. Elle a dit, bah Ange, quand tu vas te trouver un mari, un bon mari, qui va t'aimer, alors là, tu vas apprécier mieux le mariage. Est-ce que dans mes vidéos, là, moi, je vous ai dit que je détestais le mariage? Moi, je suis disciple de Christ. Moi, je suis une chrétienne. Et un chrétien sait ce que c'est que le mariage. Moi, je crois au ministère du mariage. Je crois même plus au ministère du mariage qu'au ministère pastoral. Et je crois, quand j'étudie ma Bible, là, je crois que le ministère du mariage est le ministère même le plus grand. Parce que c'est le premier ministère que Dieu a créé. Adam et Ève, le mariage. Mais moi, je dis, mariage des noirs, là, ça fait pitié. Ça détruit mes soeurs. Ça détruit les femmes. La plupart, hein, ça détruit les femmes. Les hommes, souvent, ils s'en sortent indemnes. Mais les femmes sont détruites après 20 années de mariage avec un noir. C'est des arguments, je parle. Et puis, vous sautez, vous tombez. Je vous ai dit que si vous avez un problème avec mon contenu, hein, vous pouvez aller voir ailleurs. Chacun diffuse ce qu'il a envie de diffuser sur sa page. Vous comprenez, non? Bon, moi, je crois que la femme africaine est victime d'un syndrome. Si, si. Je pense qu'au regard des faits, que je viens d'étaler là. Et quand je lis les commentaires, je me rends compte à quel point la femme africaine est victime du syndrome de Stockholm. Vous connaissez ça? En fait, le syndrome de Stockholm là, c'est un syndrome, j'ai écrit, c'est un syndrome qui est caractérisé. Non, je vais lire. J'ai écrit, mais je vais lire. Moi, j'aime écrire. C'est un syndrome qui est caractérisé par le développement d'un sentiment de confiance des otages vis-à-vis de leur ravisseur. Qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? Stockholm, c'est la capitale de la Suède. C'est ça, non? Je ne sais pas si c'est Suède ou Suisse. Non, Suède. Suisse, là, c'est pas Genève. Suède, là, c'est ça. Stockholm. Alors, ces deux évadés de prison, l'histoire se passe en 1973. Un truc comme ça. 1973. Un truc comme ça. Donc, l'histoire se passe en 1973. Je crois que c'est dans le mois d'août. Bon, il y a deux évadés de prison. Il y a un qui s'appelle Eric, là. Et puis, son compatriote évadé. Ils sont rentrés dans une banque. Et puis, ils ont pris quatre otages.
4 otages. Et pendant 6 jours, il y a eu des négociations pour qu'ils puissent libérer les otages. Mais quand les otages sont sortis là, les otages ont commencé à aimer ceux qui les ont pris en otage là. Ils ont commencé à leur trouver des excuses. Ils disent qu'ils ne portent pas plainte. Ils ont commencé à justifier leur acte. Parce que là-bas, là, les deux ravisseurs, là, leur ont fait un lavage de cerveau. On dit, ah, si on vous a agressé comme ça, là, c'est pas de notre faute. C'est parce que c'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Donc, ils ont fait en 6 jours, ils ont fait un lavage de cerveau à leurs victimes. Quand les 4 victimes, on les a libérées, là. Donc, c'est ça, les psychologues, les blancs, là. Désormais, ils appellent ça le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire quoi? C'est un syndrome qui se caractérise par deux faits. C'est-à-dire que les victimes arrivent à justifier l'acte de leur bourreau. Et puis, on a la naissance d'un sentiment positif des ravisseurs vis-à-vis de leurs otages. D'accord? Ce syndrome-là repose sur 3 signes associés chez la victime. Un sentiment de compréhension, voire même, un sentiment de compréhension, de sympathie, voire même d'amitié à l'égard de son agresseur. D'accord? Quand tu souffres du syndrome de Stockholm, tu as du mal à porter plainte quand ton mari te bat. Quelqu'un, vous allez voir dans la communauté africaine, vous allez voir. Leur mari, là, les frappe. Arrivé à la gendarmerie, là, elle dit, elle ne porte pas plainte. Souvent, même les voisins viennent séparer. Hein. La police vient. Et puis, devant la police, là, c'est elle maintenant qui va dire à la police, il faut partir. Il s'est passé un fait similaire l'année dernière, non? Il y a un artiste en Côte d'Ivoire, du nom de... Je sais pas, c'est un artiste coupé décalé. Il a frappé sa femme. Il a frappé sa femme. Et juste Crépin Gondo s'est emparé de l'affaire parce que lui, on lui a envoyé des informations pour dire, faut parler. Quand il a commencé à parler, puis l'affaire a commencé à arriver loin, chez les autorités, là, chez les ONG qui protègent les femmes, là, comme c'est des gens publics, la femme l'a venue dire qu'elle n'a pas envoyé juste Crépin Gondo. Faut pas voir maintenant. Elle va faire vidéo maintenant avec son soi-disant mari, là. Ils vont faire maintenant vidéo. Jean, tout va bien, quoi. Entre-temps, elle était remplie de bleu la veille. C'est le syndrome de Stockholm. Tu vas voir dans la... Non, 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 sérieux, hein? Je parle comme ça, vous allez prendre ça pour rigoler, mais c'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. Parce que moi, je vois des réponses sous mes postes. Je vois des réponses sous mes postes. Je vois, il y a une qui a dit... Il y a une qui dit que toi, ange même là, tu n'es pas marié, tu en sais quoi. Et elle défend, il y a une qui a dit carrément que, parce que comme je parle souvent des vacances, je dis vos maris ne vous emmènent jamais en vacances. Vous dites vous êtes marié, mais vos maris ne vous en jamais. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit dans les YouTube, là, commentaires de YouTube. Elles me disent, mais est-ce que c'est tous les hommes qui ont les moyens? Moi, nos maris, là, elle a dit, nos maris, ils n'ont pas les moyens. Et j'ai répondu en bas à toutes ces femmes-là qui m'ont écrit. Bah, ce sont les femmes, c'est même pas les hommes. Les hommes, même quand tu les taxes comme ça, eux-mêmes, ils savent que c'est la vérité. Ils ne font même pas commenter. C'est les femmes-là qui font commenter. C'est le syndrome de Stockholm. Donc, elle écrit en bas, nos maris, là, ils n'ont pas les moyens de nous emmener en vacances. Ah! Vos maris ont l'argent. Parce que quand tu n'as pas les moyens d'emmener ta femme en vacances là, tu ne portes pas grosse marque, tu ne portes pas bijoux. Mon mari là, il porte bijoux. Garçon qui porte bijoux. Si ton mari porte bijoux, toi tu vas porter quoi? Bois pour te promener. Vos maris portent bijoux. Ils n'ont pas l'argent, mais ils ont les chisas. Vos maris n'ont pas l'argent, mais ils ont des maîtresses. Donc de quoi on parle? Quand on n'a pas l'argent là, on ne peut pas se mettre, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir une maîtresse. C'est pas possible. Parce que la maîtresse dehors, ça coûte cher. Vos maris n'ont pas l'argent. Ils sont ici à la diaspora, là. C'est eux qui vont chaque fois, ils défilent en Afrique. Hein. Mais vous trouvez qu'eux, ils n'ont pas l'argent pour vous emmener en vacances. Vous voyez? Vous justifiez ça. Vous justifiez leur méchanceté, leur négligence à votre encontre, leur mépris. C'est le syndrome de Stockholm.
Il y a des femmes même. Il dit, moi, on m'a pas dit, hein, j'ai vu. Il y a des mamans à Abidjan. Quand les maris vont comme ça en mission, elles mettent préservatif dans la valise du monsieur. C'est le syndrome de Stockholm. Si, si. Ça dit que on t'a tellement fait un bourrage de cerveau. Ton cerveau a été tellement lessivé que tu cautionnes même. Tu accompagnes même ton mari à tête infidèle. Tu lui dis, chérie, là où tu t'en vas là, je sais que tu ne vas pas pour le travail. Je sais que tu vas voir rencontrer ta maîtresse. Voici les préservatifs. Faut te protéger. C'est le syndrome de Stockholm. C'est comme ça se manifeste. C'est-à-dire, vous justifiez l'attitude de vos maris. L'infidélité de vos maris, là, vous leur trouvez des excuses. C'est le syndrome de Stockholm. Quand l'artiste José a ravi le mari de Aline, là, quand elle a pris son serrédier, là, alors que le monsieur était marié depuis, là, ses enfants, elle est rentrée dans le foyer du monsieur, hein, de la dame. Et puis, d'après elle, 8 ans, ça fait 8 ans que tu m'assumes en public. Je vais t'assumer aussi en public. Toi, tu vas lutter, mari de ta camarade, comme ça pendant 8 ans. Mais qui sont celles qui ont encouragé José? Ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui ont encouragé José. Ce n'est pas les hommes, hein. Il y a même, moi j'ai lu dans les commentaires, quand l'histoire s'est passée l'année dernière, puis ça a commencé à faire le feu là, j'ai lu dans les commentaires 3 hommes, sous différents postes. Les hommes là se sont été choqués. Il y a un homme qui a écrit, il dit, mais attends, c'est aberrant que ce soit les femmes qui encouragent ça, quoi. Et les 3 hommes, sous différents postes, avaient le même commentaire. C'est les femmes. On appelle ça le syndrome de Stockholm. Pourtant, les mêmes qui sont en train d'encourager José là, si on leur fait ça là, elles ne vont pas aimer. Parmi celles qui ont encouragé José là, moi j'ai une camarade dedans, j'ai une copine. Sa copine a pris son mari, sa copine et sa bonne petite a pris son mari. Elle est tombée en dépression. Mais elle a encouragé José. Que vous l'aimiez parce qu'elle chante très bien, c'est un fait. Vous avez le droit de l'aimer parce qu'elle chante très bien. Mais que vous allez jusqu'à cautionner son attitude, je trouve ça assez déplorable. Surtout que vous êtes des femmes, vous êtes des mères. Des mères, on va faire ça à ta fille. Si, si. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai dit, n'encouragez pas l'injustice. Parce que quand vous encouragez l'injustice, Dieu va s'arranger à ce que cette injustice-là soit devant vous un jour. Et puis, on va voir votre réaction. Ça dit, toi, ta fille, demain, ta fille chérie, demain, elle va rencontrer un homme. Elle va galérer avec un homme. Elle va faire 3, 4, 5 enfants avec un homme. Et puis une jolie fille là-bas, ou même une star va quitter là-bas. Hein? Elle va venir le prendre comme ça. Ton gendre, elle va venir prendre. Tu vas te rappeler de ma vidéo là. Si tu es maligne dès maintenant, il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu as offensé Dieu. Que nul ne sait pas ce que Dieu a uni. La Bible dit, les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui les scandales arrivent. Vous là, vous vous amusez avec la parole de Dieu. Continuez. Donc, bref, le syndrome de Stockholm, c'est ça. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Série de 2-3 vidéos où je m'adressais à mes soeurs. Vous savez, si vous avez besoin de psychologue, prenez-en conscience. Et puis, allez voir des psychologues parce que vous êtes malade. Si, si. Un homme ne peut pas te battre. Il ne peut pas insulter un corps. Il insulte ton corps et puis demain tu t'en te couches en bas de lui. Un homme ne peut pas te battre. Il bat un corps. Il endommage un corps et tu vas lui offrir demain ce corps-là. Parce que monsieur, à 4 du matin, son truc s'est levé, il va te toucher. Tu vas lui offrir le corps-là. C'est le syndrome de Stockholm. Tu ne peux pas vivre sous le même toit avec ton bourreau. Un homme qui te rabaisse, qui t'insulte, qui te méprise. Un homme qui te trompe chaque année, lui, la nouvelle, il y a scandale sur lui. Ce n'est pas des tromperies qu'on peut pardonner, hein, ou un coup du soir comme ça. Non, ton mari va en Afrique, même tu sais ce qu'il s'en fait là-bas. Mais tu lui envoies Western Union. Il est là-bas et puis tu lui fais Western Union. Il t'appelle pour te dire, non, chérie, mon argent est fini. Maman, mon argent est fini. Tu lui envoies alors que tu sais très bien que l'argent qui est lequel il est parti là, c'est largement suffisant. Mais tu sais bien que l'argent qui est parti là, c'est avec une femme qui est en train de dépenser ça là-bas sur les plages d'Assini. Mais tu lui fais mandat. C'est le syndrome de Stockholm. Vous êtes malade. Allez vous faire soigner. Allez vous faire soigner. Vidéo numéro 1. Dans la seconde vidéo, ça va défibriller. Ça, c'était entrer en matière. OK?
À tout à l'heure. Vous aurez la vidéo dans la même journée. À tout à l'heure.